What's up, gens d'internet, j'espère que vous allez bien, on est toujours en compagnie de Keshox aujourd'hui pour l'épisode numéro 7 et aujourd'hui les amis on va améliorer notre base, du moins on va la terminer. Donc Keshox, je te mets en charge de faire fondre de la pierre, la cobble ouais. Pour faire le reste de la base. Bon c'est pas trop dur que ça. Et puis moi je vais ranger les coffres, dans le fond on va essayer de ranger tout ça les amis. Donc je sais pas si ça vous intéresse ou pas, ben j'ai décidé quand même de vous le proposer aujourd'hui en espérant que ça vous plaît. Donc toutes les armures et tout, on va mettre ça de l'autre côté, dans le mur là-bas. C'est des semis ou les coffres en rubis en fait? Ah voilà, j'en ai 54. J'en ai 54 de toute façon. Ça me stresse le bruit de ça. Voilà, tout ça, ça va être des armures, donc... tout ce qui est en opsy, ça va être dans les deux premiers, dans la range ici. Tout ce qui est en émeraude ici, tout ce qui est en diamant. Là, on a d'autres émeraudes. Hop là, je me suis trompé. D'autres émeraudes là. Tout ce qui est en rubis. Tout ce qui est en saphir. Et puis voilà, donc on va classer ça comme ça. Comme ça nous on pourra se retrouver au moins. Puis ça va être quand même un petit peu mieux. Donc ensuite les potions et tout, on classera ça après. Là on fait juste classer les armures aujourd'hui. Ouais. Et on met juste 3 lignes de quoi? Ouais. On va vraiment, on va pas, on sait pas encore qu'est-ce qu'on veut faire les amis. Est-ce qu'on va faire une base claim ou pas? Pour l'instant la base est claim, donc bon, good luck si vous voulez la piller. Et on va essayer quand même de faire quelque chose de bien, du moins j'espère. Donc voilà, je vais classer tout ça les amis, puis on se retrouve tout de suite après, à tout de suite. Yop les gars, on se reprend, donc on était rendu au 7ème épisode. Donc aujourd'hui les amis, on va terminer le 7ème épisode avec la farm. Comme ça, ben ouais voilà, dans le prochain épisode on ira sûrement faire du PVP ou quelque chose d'autre. Keshox, on verra Keshox. Et le 10, le 9, ben on verra aussi, même chose, les autres épisodes jusqu'à la fin de la vie, on checkera ce qu'on fera. Mais pour l'instant, ouais, on va faire la farm. Donc j'amène des seaux d'eau, j'amène un peu tout ce qu'il faut. On a aussi placé les coffres, donc j'ai envie de vous montrer, tout est classé dans toutes les coffres, tout est bien classé, donc les outils, ici c'est tous les coffres à outils. Tu sais, ça fait penser à quoi les coffres à outils? Est-ce que vous avez une émission chez vous qui s'appelait Bob le bricoleur ou quelque chose comme ça? Attends, FM, il y a le son. Ouais, c'est vrai. Genre coffre à outils quoi, tu vois, coffre à outils, tu vois la blague? Ah, lol, XM. Ouais, okay, ça, c'est pas drôle, je sais. T'as le melon ou pas? Non, mais moi, qu'est-ce que je fais en fait? Je fais deux rangées. Puis de l'eau. Attends, deux rangées de l'eau. Flash F1. Tu vois, de toute façon, faut poser la dirt d'abord. Aïe. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les coffres. Tu prends les coffres. En fait, tu fais juste mettre partout. Non, faut mettre 4. Faut mettre 4. Ok. Tu fais 4, tu laisses un espace, voilà, et là, tu refais 4. Ok. Là, tu refais 4. Ok, petit bâtard. Ok, comme ça. Il y a pas mal de l'eau dans les trous. Et il y a deux étages les amis, je vais vous montrer tout ça. En fait, ça va être une petite farm juste pour se faire de l'argent un peu vite fait. Alors, on a vu que la canne à sucre se vendait vachement bien, le melon aussi. Donc on va peut-être faire un étage de canne à sucre, un étage melon. Ben, la canne à sucre c'est moins bien, c'était 22 centimes je crois. Ok. Wow, what? Donc, c'est 6 centimes. Voilà. Ici, il faut mettre de l'eau. Ouais, entre chaque truc. Ok. Il faut que tu es obligé que ça soit des sources infinies ou pas? Non. Tu sais quoi, je vais faire source infinie, ça fait plus badass. Va poser en haut ou fais, ouais, fais ça quoi. Et il manquera celle au fond là. Voilà, voilà. Ouais, là c'est bon, non. Ouais, c'est bon là. Ouais, c'est une petite farm pour se faire un peu d'argent quoi. Yep. Pas grand même. Largement. Nickel, ah, donc on a... Ouais, t'inquiète, je m'en occupe. Là, je vais prendre les graines. Oh fuck, qu'est-ce que j'ai fait comme merde là. On va faire tous les étages par un... Non, faudrait mettre des demi-dalles. Ouais, il faudrait aussi des os. Ouais. Et ouais, je vais chercher des demi-dalles. Je fais des demi-dalles. Non, il y en a dans les coffres. Ok, good. T'en as combien? Pour craft dans, de toute façon, on a moche de poulet. Faut mettre aussi sur les pouces.
pas qu'on marche dessus. Comme ça. Comme ça, ouais, on a une petite farm à melon au calme. Je vais m'occuper de remettre sur les pouces ici. Je vais juste m'en crafter d'autres vite fait. Ça va être un emplacement pour les torches. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est que... il te manque-tu des graines? Ah ouais, j'ai plus de canard. Ouais, ça, faudra attendre un peu encore avant de... Ok, ok. Il a comment pour vous. C'est bon, bah, faut juste, attendre alors. On fait l'étage du dessus. Ah, faut des torches dessus. Donc, même chose, 4. Ouais, 4 partout. Hein. Je laisse un espace, ouais, voilà. Comme ça. On va mettre tout ça. Pour l'instant, comme je disais, on n'a pas vraiment les graines de melon, mais ça va venir en faisant pousser certains. On va pas direct les vendre, on va en installer partout. Enfin, on est nouveau sur le serveur, moi et Keshox, ça. On joue depuis déjà 2 semaines, mais on joue pas tant que ça. On passe plutôt notre temps sur CS. On va pas vous mentir, les amis. Hein. On est à fond sur CS, donc... voilà, quoi. On n'a pas joué beaucoup, 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 mais on joue quand même assez régulièrement. Donc, voilà. Tac 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 tac. Je vous rappelle les amis que si vous voulez un compte Minecraft Premium, vous pouvez aller l'acheter sur mineshop.fr pour un prix total de 24€ par SMS ou 9,90€ par PayPal je crois. Et en fait tout ça les amis, pourquoi je vous propose aujourd'hui, c'est que j'ai un code de rabais de 10%. Donc si vous utilisez le code ICONS, vous allez sauver un petit peu d'argent, et au lieu de vous coûter 20€, 24€, ça va vous coûter exactement 20€, quelque chose comme ça. Vous allez sauver un petit peu d'argent, ça va revenir au même prix. Tu peux mettre le téléphone après sur la table d'écran. Ouais, pas de problème. Et tu m'interromps pas comme ça mec. C'est le gars, oui. Super fâché. Voilà, il y a un rabais sur... Sur Mindshop, ouais, il y a un rabais les gars, comme j'ai dit, puis... J'espère que ça va faire plaisir. Je veux dire, j'essaie de vous contacter toujours des partenariats où ce que vous êtes gagnant, même si la plupart du temps, ben, j'empoche un montant d'argent. Cette fois-ci, j'empoche aucun montant d'argent, les amis, je vais vous dire clairement. J'empoche 0$, donc voilà. J'ai vu aussi que beaucoup d'entre vous disaient, ouais, écoute, tu es un vendu, tu fais des vidéos sur les serveurs que pour la thune. Et ben, les amis, vous voulez que j'ouvre un serveur, ben, il faut bien que je présente des serveurs et tout pour me faire un petit peu d'argent pour pouvoir ouvrir le serveur, n'est-ce pas? Donc voilà, faut comprendre que... Si vous voulez que je rouvre un serveur un jour, ben faut bien que j'aie de l'argent quelque part, et puis ben ça m'aide aussi à payer les réparations de mon PC et des autres trucs comme ça. Donc je dis pas que j'ai été rémunéré sur toutes les vidéos que j'ai fait, hein. Il y en a beaucoup les amis, inquiétez-vous pas, j'ai pas rien gagné quand j'aurais pu gagner beaucoup d'argent. Je parle plutôt juste la dernière présentation que j'ai faite sur Light Fight. J'ai devais gagner 30€, j'ai pas été encore payé à l'heure d'aujourd'hui, donc voilà. Je verrai en temps et lieu après les autres serveurs. Après les autres serveurs, j'en ai pas vraiment où ce que j'ai. Où est-ce que j'ai été payé pour l'instant, du moins en ce moment même, il n'y a aucun serveur où je suis payé à part justement la présentation que j'ai faite pour Lightfire, mais j'attends toujours les 30€. Attends un instant, voilà, voilà, c'est bon, toute l'eau est mise. Je vais mettre les... on va direct mettre les demi-dalles. Pas se faire faire chier. Maintenant, je vais me faire d'autres affaires. Donc voilà, je voulais juste faire un petit point là-dessus, parce que beaucoup d'entre vous me disaient, ouais, écoute, tes vidéos c'est rendu de la merde, tu fais des serveurs juste pour la thune. Je fais les serveurs qui me plaît, donc comme celui-ci qui me plaît énormément. Enfin, je prends du plaisir à y jouer. Puis s'ils me proposent un montant d'argent à la fin, oui, pourquoi pas, pourquoi je refuserais, je veux dire. Si vous, on vous proposerait 50€ pour venir jouer sur un serveur, est-ce que vous allez le faire? Oui, ben c'est la même chose pour moi. Enfin, si le serveur me plaît, pourquoi pas? Si le serveur me plaît pas, ben je vais pas le faire, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'était juste une parenthèse comme ça, vous pouvez me détester parce que je suis franc avec vous, je m'en fous. Au moins je vous le cache pas, je le mets à chaque fois qu'une vidéo est rémunérée, je le mets dans la description, donc voilà. Ça va être marqué j'ai été rémunéré pour cette vidéo là, donc blabla blabla. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire les amis à propos de ça. Donc la farm est terminée, si on peut dire ça ainsi. Il y a un troisième étage. Hein. Il y a un autre étage, ok. Let's go, on va faire le troisième étage là. Je savais pas qu'il y avait 3 étages. Ouais, j'ai creusé tout à l'heure. Voilà, je vais mettre la terre, après ça on va faire le reste. Super. Oh fuck, comme ça, voilà. Donc j'espère, le dernier épisode, j'espère qu'il vous a plu les amis. Moi, Keshox, on a vraiment eu du plaisir à le faire. C'était vraiment un épisode vachement sympathique. Pourquoi? Ben, même si on n'a pas eu genre des P4 et tout, ben on s'est quand même méga super fait plaisir. Enfin, on s'est amusé, on a payé un peu, donc voilà, c'était cool. Cool, hein.
On va peut-être essayer d'aller PVP peut-être bientôt. Enfin, je l'espère, je nous le souhaite. Peut-être trouver un autre pillage, un autre pillage, un dernier, what the fuck. J'espère que ça sera pas le dernier qu'on va trouver. Mais oui, peut-être un autre pillage, ça pourrait être bien aussi. Et puis, ouais, pourquoi pas. Ça Que peut c'est vraiment... dur de piller parce que le pistolet est désactivé dans les Ouais. KMG, il n'y a pas d'offre de creeper. Enfin, si la base elle est bien protégée, ça va être dur de la piller. Mais bon, Mais ouais, en tout on cas, va faire de notre mieux après il y a quand les même, là. surclaims. Ouais, il y a les surclaims comme on a fait tantôt, mais il y a plusieurs options aussi qu'on peut essayer de découvrir. Si la base est dans une grotte ou quelque part comme ça, on peut essayer de faire un canon TNT avec du sable. Je connais beaucoup de nouvelles techniques de canon grâce à que j'écoute une série qui s'appelle... Je vais pas vous le dire, mais c'est des Américains en gros, puis ils font max de séries de canons et tout, ils font des séries et des canons, mais genre... Le canon, il peut... Tu peux... La base, exemple, est dans les airs, ils vont faire un canon à terre, par terre, au sol, ça va péter en haut, donc... Je sais pas comment tout est réalisé, mais j'en connais quelques-uns maintenant, donc voilà. On pourra essayer de faire ça. Et en espérant que ça vous plaît! Donc voilà, je vais mettre de l'eau. Comme ça. Des petits lags aujourd'hui sur le serveur, je trouve. Je sais pas si c'est juste moi ou c'est Ça toi. va. Un peu, ouais, mais c'est jouable, quoi. C'est largement jouable. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu fous les torches pour la lumière en fait? Parce que sinon... La forme dans le fond est tout optimisée, il y a l'eau, il y a tout tout tout, qu'est-ce qu'il faut? Là on l'a claim parce que ça sera une farm quoi, donc il n'y aura pas de coffre. Yep. Et on a besoin de la claim parce que vu que moi j'ai pas de cet homme. Bon, on essaiera Bon, de... regardez, il y a de la com. Bon, on essaiera de prendre un Ouais, petit grade au on a mis pire de sur la la com, voilà. boutique et puis voilà. Bon, on verra. Les rangs en temps et lieu, c'est pas vraiment un pay to win, donc t'as pas vraiment besoin des rangs et tout pour gagner. Enfin, je trouve pas perso là. Oh non, c'est pas ça. Allez. Je veux dire, même si t'es gradé, tu peux te faire défoncer, tu peux te faire défoncer au PVP, Ouais, c'est ça. sûr. Ça reste un serveur PVP après tout, donc tu sais. Le gradé peut être super bien gradé, tu peux juste farmer un peu plus, puis péter une base super bien cheat et devenir cheat aussi, donc. Pareil, hein, c'est un... c'est Enfin, pareil, c'est chez aux nous, États-Unis, il y a c'est des rien. grades qui coûtent 600 euros et il y a personne qui crie au Pay to fucking win. pay to win, donc c'est assez chelou votre truc, les gars, là. Faut arrêter de me Pas dire, pour ouais, ça, pay on to va. win, sa mère, wesh! Ouais, il manque de là. T'as-tu des dalles? Va en faire s'il y en a plus. Moi, j'en ai plus, j'en ai 8. On va bouffer. Voilà. On a encore tout ça. Ouais, ça va. Ah, c'est bon, non? Ouais, ben ouais, il manque juste des dalles. T'en as-tu ou pas? Ouais, tiens, ouais, tiens. Ok, done. Oh shit! Mon bloc, mon dos, mon bloc, mon bras, il a bloqué, genre, il a fait un blocage. Bon, c'est quoi? Let's go, bah ben, c'est bon, on l'a. Ouais. On a fini cette Attends que les graines farm-là. elles poussent. Voilà. Quand les graines On auront fera peut-être poussé... quand nos graines auront poussé, ouais. Ouais, ben ouais, on verra. Ben, enfin, de toute façon, vous allez sûrement le voir dans les prochains épisodes. On va mettre toutes les graines partout. On va essayer de se faire un peu d'argent. Et puis voilà, on verra bien qu'est-ce que ça nous donne. Donc pour le prochain épisode, j'ai aucun plan encore pour l'instant. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. En espérant que ça vous plaît. Moi je vous dis à la prochaine les amis, c'est Tycoon en compagnie de Keshox. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne de Keshox. Et il y avait Malfox, je sais pas s'il est toujours là, mais allez voir les Il deux est là, je chaînes. crois. Et puis on se retrouve très Allez, bientôt d'accord. pour une nouvelle vidéo. Plus. Bisous.